Christophe Raoul Mbia, pour ceux qui ne connaissent pas, est un célèbre journaliste à Vision 4. Il démissionne en ce jour pour faute professionnelle. Le drame se produit ici même au Cameroun, donc à Yaoundé, comme vous le voyez très bien. Christophe Raoul Mbia, nous allons vous remettre l'extrait de sa vidéo. C'était quelqu'un qui faisait un reportage en apportant une touche d'humour pour les intellectuels qui comprennent ce que je suis en train de dire. En fait, il exprime dans l'une des radios diffusion ici même au Cameroun que comment son talent a brillé. Il dit avant, lorsqu'il a fini ses études, il a été recruté à la chaîne de milliardaire Amour Bellinga, comme vous le voyez très bien. Autant là, il travaillait à la radio, autant là, il a commencé à faire un simple reportage. Mais après, il a dit que qu'est-ce que je peux faire pour apporter une touche d'humour? Ça, c'était sa pensée de philosophe. Après cela, il a commencé à faire les reportages. Vous savez que lorsque son patron Jean-Pierre Amour Bellinga était impliqué dans l'histoire de torture ou d'enlèvement de notre journaliste Martinez Zogo, il a été combattu par l'un des on peut dire quoi, influenceurs qu'on appelle Rémi Ngono. C'est ainsi que Raoul Mbia va donc apporter une touche d'humour en provoquant Rémi Ngono, qui est l'influenceur qui provoquait notre milliardaire Amour Bellinga. C'est ainsi qu'un jour, Amour Bellinga va donc appeler Christophe Raoul Mbia et dit que bon, j'ai aimé ton reportage parce que ce jeune homme Rémi Ngono nous attaque, il nous provoque, il n'y a personne pour parler, il n'y a que toi qui a parlé. Bon, autant il travaille à la radio, il a dit que bon, maintenant tu vas travailler à la télévision. Il dit que bon, je ne peux pas suivre deux lèvres à la fois. Il dit que non, il n'y a pas de problème, tu vas tiens que travailler à la télé, tu laisses la radio. C'est comme ça que il va être célèbre dans la télévision, comme vous le voyez très bien. Et ce qui fait qu'il tombe en ce jour-ci, c'est parce que lorsque il est parti faire le reportage en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez très bien, il a supporté les Ivoiriens. C'est d'où énerve notre milliardaire Jean-Pierre Amour Bellinga. Il décide en ce jour d'être licencié. Lorsqu'il va donc licencier Raoul Christophe Mbia, cette note ne sera pas notifiée. Alors, Christophe Raoul Mbia dit qu'il préfère quitter les choses avant que le lot quitte. C'est ainsi qu'il va donc être recherché et il s'est donc enfui plus tôt qu'avant. Maintenant, nous allons vous remettre juste l'extrait de son reportage, si vous le voulez très bien. Et partagez d'abord cette vidéo.